Enfin, Affinity HD. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur l'épopée d'un enchanteur. Oui, j'ai remis le Texture Pack, le Ressource Pack est sorti pour Affinity HD. Donc je l'ai réinstallé. J'ai pu faire le tour de quelques blocs pour voir si ça collait bien, ça colle. Il y a que la Netherwart qui est un peu bizarre, mais sinon voilà. Et résultat, la maison rend pas mal. Donc ça a un peu évolué. Alors on se retrouve plusieurs jours après le précédent épisode, car j'ai été pas mal occupé IRL. Voilà, j'ai pu rencontrer TB Killer IRL, on s'est fait une soirée IRL aussi notamment, donc il devrait pas tarder à revenir. Aider pour le terrain. Ah, elle a invité Super Van. Écoutez, je préfère pas lire le message avec vous étant donné que je ne sais pas ce qu'il contient. Voilà, donc la Netherwart qui est un peu bizarre avec Affinity HD, mais bon. C'est pas trop mal. Ça, c'est les affaires, elles me semblent géniales. Oui. Donc, je sais pas si vous préférez avec Affinity HD ou si vous préférez avec le pack de texture normale. Donc, ça, c'est de la laine, hein, évidemment. Voilà. Donc, moi, j'aime bien Affinity HD. Après, voilà, je sais que me semble génial n'a pas le même. Surtout le rendu de l'eau. J'adore le rendu de l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Des bouteilles d'eau. On se refera des potions. Je sais pas encore de quoi. Faut voir l'utilité dont j'aurais besoin. Alors, je sais que dans Affinity HD, il y a des tableaux parfois un peu hot. Voilà, je sais qu'il y a des trucs un petit peu hot parfois. Donc voilà. Mais bon. Voilà. Bon, faut que je retrie les coffres. Faut que je me remette un petit peu dans le bain, là. Est-ce qu'on voit la... Ouais, on voit les enclumes, si elles sont plus ou moins abîmées ou pas. Bon. Oups. Ah ouais, le crâne de Wither, évidemment. Voilà. J'ai vu qu'ils avaient fait une petite fontaine, qu'ils essayent de faire répartir de l'herbe dessus. Ouais, c'est cool. Résultat, les tableaux... celui-là, il colle très très bien. Par contre, celui-là... faudrait voir à le changer avec Affinity HD parce que ça colle pas vraiment avec le reste, mais bon. Voilà. Donc sur ce, je vais réfléchir à ce que l'on fait pour aujourd'hui et puis on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Juste un détail, la date actuelle où je tourne cet épisode, on est le 31 juillet. Donc la veille de la Pandorica. Voilà, donc à partir de l'épisode suivant, en fait, je commencerai à suivre en fait votre feedback sur les premiers épisodes. Voilà, c'était juste un petit point à éclaircir parce que vous savez, le temps dans YouTube, c'est pire que Doctor Who. Donc voilà, allez. Très bien, donc nous nous retrouvons. J'ai donc regardé les messages qui m'étaient confiés, donc je peux les lire, il n'y a rien de spécial dedans. Donc le premier est de Supervan. Donc salut, c'est Supervan, j'ai aidé me sent génial, donc Mess, hein, on abrège nos pseudos, hein, on s'embête pas, pendant la fontaine, le terrain et le chemin. Un nouveau est arrivé, il s'appelle Mew12, donc un nouveau sur le serveur, hein, donc j'irai jeter un coup d'œil dans le log, mais bienvenue à lui. Je me reconnecte. Voilà, petit aléa du direct. Voilà. Et donc, je complète. Newdus, je crois. D'accord, ok. Et je suis abonné sur ta chaîne en tant que New Titeuf Junior. Sauf que j'ai regardé sur ma chaîne et je te trouve pas. Donc, c'est bizarre. Mais voilà. Donc, je vais lui envoyer un petit message.
Et le deuxième est de me sent génial, note MDJ. Petite note, je préfère un levier. Ah oui, parce qu'en fait, elle a mis un petit système en redstone. Donc c'est ça qu'on va faire, c'est une petite visite de la maison. Je préfère avec un levier, j'ai donc refait le signal en redstone de cette manière et j'ai ajouté une fontaine. Ouais, donc voilà. Voilà, donc Attendez, une seconde, je regarde un truc. Ouais, bon, tant pis. Hop, de toute façon, tout ce qui est message, hop, je les garde. Et puis voilà. Donc, ici, il y a un levier qui active des pistons en bas, apparemment. Donc, voilà. Et en fait, ma table d'enchantement, c'est pas du tout F-Savard qui l'avait, mais en fait. Voilà. La table était là. Sauf que je sais pas du tout comment elle. Si elle sait comment fonctionnent les bibliothèques, parce que. Et puis le truc aussi embêtant, bah, c'est que moi je voulais garder des enchantements de niveau 1. Et que là je les ai plus. Donc je lui ai dit par message et pourtant, ben bah, non quoi. M, J, et il est où le dé? Doit être en haut. Bah non, je suis bête. Le dé, c'est la forme de bibliothèque, non? Si je regarde dans où, non? Non. Ah oui, et puis les pistons, donc ça active ici. Et puis de là, on peut accéder. Voilà, à la petite salle des coffres qu'il y a derrière. Sauf qu'il n'y a rien dedans. Mais bon, en gros, voilà quoi. Et c'est à ça que sert le levier. Enfin, donc elle a essayé de bidouiller de la redstone. Ok. Mais faut que j'y dise, les bibliothèques, ça ne m'arrange absolument pas. Où elles sont placées. Parce que la table d'enchantement, je veux qu'elle garde des niveaux 1 et pas des. Quoique, les bibliothèques, je crois qu'ils gênent s'ils sont trop proches. Excusez-moi, petit bug. Alors, j'ai pu voir dans les mouvements de frappe, j'en suis à peu près à ce niveau-là. Donc, j'explique en fait les bibliothèques. En fait, elles sont disposées de manière en fait à ne pas influencer la table d'enchantement. Étant donné qu'en fait, il y a des bibliothèques à une case d'elle, ça gêne les autres bibliothèques. Et ça rebug. Donc je suis désolé, il y a une petite coupure. Donc j'ai vérifié, la table d'enchantement, elle produit bien des niveaux 1. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était pour voilà pour les constructions de Me Sens Génial. Je vais leur répondre, j'avais été au spawn, mais il y a un petit problème au spawn, donc je peux pas vous montrer ça dans l'immédiat. En gros, je suis retourné au spawn, aller me rechercher 2 livres et plumes. Donc je vais leur répondre et puis on se rejoint bah, tout à l'heure pour éventuellement autre chose. Donc voilà. Tout ce qui est enchantement, en fait, je vais le déplacer en bas. Comme ça, je vais être peinard. Tout ce qui sera enchantement sera en bas. En haut, je vais garder tout ce qui est potion. Ah oui, mais non, mais ça, c'est chiant, ça! Moi je voulais une source d'eau, moi ça c'est chiant à remplir à chaque fois. Bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Bon, donc voilà. On se retrouve tout à l'heure. Et puis, bah, tout à l'heure. Voilà, petite réponse donc à Me Sens Génial. Ok, ça n'aurait pas été plus simple de placer le levier en bas, donc c'est son fameux levier là. Et donc un super van. Ok, est-ce que tu comptes nous rejoindre dans l'aventure ou tu étais juste de passage? Voilà, donc je voulais savoir si il comptait tourner avec nous plus à long terme ou si voilà c'était juste pour aider Me Sens Génial et puis merci, au revoir. Et je ne trouve pas de New Titeuf dans ma liste d'abonnés sur YouTube. Donc voilà, donc je leur place ça et puis donc réponse à Me Sens Génial ici, réponse à Supervan ici et puis on n'en parle plus. Voilà. Et bah je réfléchis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et bah on va virer ça et faire un système automatisé. Même si j'aimerais à la limite qu'on fasse quelque chose. Déjà, est-ce que j'ai les pistons? Est-ce que j'ai de quoi me crafter les pistons nécessaires? Dans mes coffres à bordel. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut
Du bois, il me faut de la stone, il me semble. Du fer, c'est pas un problème. Et j'ai encore des lags. J'allais voir s'il n'y a pas un problème niveau serveur. Je vais couper tout ce qui tourne derrière sur mon PC. On se retrouve en accéléré pour le crafting des pistons nécessaires et l'automatisation de la ferme. Comment c'était? À Netherwart. Voilà, à tout de suite. Juste avant de reprendre l'accéléré, parce que je suis en train de passer un peu partout pour récupérer les ressources et tout. Le système de fourneau, je vais certainement le modifier. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, ici il va y avoir à chaque fois qu'une seule. Qu'un seul minerai de. Donc d'or ou de fer qui va passer là-dedans. Et donc à chaque fois ça va brûler qu'un seul item à la fois. Et donc c'est pas très rentable. Donc oula, il y a encore un creeper là-bas. Hop, dégage. Et donc résultat, comment je vais démolir donc l'ascenseur à item tout simplement. Et puis en fait je vais mettre un deuxième coffre à côté qui servira en fait d'entrée à bois tout simplement. On mettra des planches de bois pour faire brûler les items nécessaires. Et puis voilà, donc voilà, c'est pour vous dire que j'apporterai des modifications au centre de tri parce que actuellement le système de fourneau que j'ai mis n'est absolument pas rentable. Et puis en y réfléchissant, c'est pas du tout automatique non plus. Donc voilà, sur ce, je vais aller me chercher de la redstone qui est censée rester en bas de la mine. Et puis donc c'est pour me faire les pistons encore une fois. Donc j'ai déjà récupéré du bois, du fer, il manque de la pierre. Ah bah de la pierre j'en ai. Je vais en prendre. Et la redstone, et ben j'ai pas tout utilisé en redstone quand même. Il doit m'en rester dans la salle des potions. J'ai plus de poulet cru, donc je vais m'en prendre. Ah, de poulet cuit, je veux dire. Ouais, bah il me reste plus grand chose en fait. Comment le. Est-ce qu'il m'en reste ici? Non plus. Non, non. Non. Et non. Oh putain. Bon, bah, je vais repartir pour une séance de minage. Est-ce que je vous la filme ou est-ce que je vous la filme pas? Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de séance de minage. Je vais juste élaguer un peu mon stuff parce que là mon stuff il est plein de trucs qui ne servent à pas grand chose. Ouais bah si je tape back, de toute façon j'arrive en bas de la mine donc c'est bon. Écoutez, pour le moment donc l'étoile du Nether notamment, l'Excalibur de toute façon je laisserai là. Les potions de. J'en ai pas besoin non plus, ça donc je le laisse là. Bah ça je vais le laisser ici aussi. Bon écoutez, je vais laisser en fait tout mon stuff ici. Ça j'en ai besoin. Ça j'en ai pas besoin. Et puis comment? Et puis de toute façon, bah on se retrouvera. Comment? Je vous reprends en accéléré là pour. Comment, pour une séance de minage intensif. Ça faisait longtemps et donc eh ben on est parti. Je vais prendre 3 pioches. Je pense que ce sera suffisant. Je pourrais me faire une pioche en fer. Ouais, je vais me faire une pioche en fer, on sait jamais. Au cas où je croiserais du diamant. Ce qui n'est pas. Ce qui ne serait pas étonnant. Donc voilà. Donc hop. Oui, une pioche j'ai dit, pas une hache. Voilà, au cas où. Et puis bon. Bah écoutez, ben c'est reparti pour un tour. Ou attendez. Je réfléchis. Je vais en profiter pour. Oh non, la mine PNJ, je vais la laisser peinard pour le moment. Et puis bon bah. À tout à l'heure. Thank you.
ben nous nous retrouvons comment dans le finalement dans le Pixel World. Donc c'est ici que comment qu'on fait tous les oups, je suis en game mode. Comment c'est ici qu'on fait des pixel art voilà. Et donc ici les slim spawn. Donc voilà, donc j'aurais déjà 8. On va prendre ça. Alors ça c'est cheaté, ouais bon, on s'en débarrassera plus tard. Voilà. Avec le troll face que j'ai reproduit. C'est le seul pixel art que j'ai fait d'ailleurs. On fera un petit tour des pixel art, tiens, ça, si vous voulez. Ça, c'est sympa. Il y a des joueurs qui ont fait pas mal de choses. Donc voilà. Bon, de toute façon, on atteint les 16 Slim Ball. Donc en fait, ouais, pour farmer les Slim, il suffit d'aller dans le Pixel World et puis on a ce qu'il faut. Bon, mais c'est bizarre que dans les marais, ça ne spawn plus. C'est étrange. Parce que... Voilà, donc il y a tout, hein. Il y a du Mario, il y a du One Piece. One Piece, c'est Gin qui a fait ça. Gin, il est fan des pixel art. Bah, il a d'ailleurs fait le... Comment le... Comment c'est? Ah, comment ça s'appelle? Bah, le symbole de Bleach au spawn. Donc ça, évidemment, voilà quoi, c'est l'attraction de notre serveur, c'est le gros logo Bleach, quoi. Bon, je vais me prendre un stack finalement, comme ça au moins je sais qu'en Slim Ball je serai peinard et ça me permettra de faire éventuellement des potions. Ah oui, non, ça ne sert qu'à potions... qu'aux potions de résistance au feu, il me semble, donc c'est pas si intéressant que ça. Voilà, comment... Et ces deux trucs-là, c'est de... Comment ça s'appelle de Loulou 75, donc qui est également administrateur, hein, sur le serveur. Et qui vient de la mère patrie. Voilà, il est originaire de la mère patrie, la Russie, donc il a fait un petit drapeau russe et puis voilà, là-bas on a une tub. Je sais pas qui est-ce qui a fait ça, mais. Il y a un mec qui avait rien d'autre à faire, il a fait... Voilà quoi. Un phallus sur le serveur. Bon, on le laisse, tant pis. Si ça le fait triper le mec. Ouh la nana. Qui sait? L'occasion, c'est me sent génial, gaffe ça. Non, je déconne. Ça m'étonnerait, mais... Bon, ah bah j'ai dépassé le stack, donc on va s'arrêter là. Je récupère juste l'expérience. Et ouais, ici il y aurait de quoi se faire une razzia de viande. Donc c'est simplement une flat map, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre. Les villages PNJ seraient à démolir. Enfin, voilà. Bon, on va se mettre en mode de... Attendez, je vais manger un coup, histoire de me mettre bien en... Et on va faire le tour des pixel art pour vous, cher public. Donc voilà, donc et encore, je suis sûr que en comment, avec le texture pack normal, ça rendrait mieux. Mais si, bon, avec Affinity HD, voilà, ça rend super bien. Ouais, je vais me poser, je vais changer de texture pack, je vous reprends tout de suite. Ben, même pas besoin en fait, parce que je peux aller dans les options, ressources pack, défaut, terminé. Ah, et puis j'aimerais avancer. Voilà. Donc avec le texture pack normal, voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est super bien foutu. Chapeau les gars. Voilà. Donc il y a une partie Zelda. Un petit LOL avec les citrouilles. Ça, Guine aurait envie de le raser, mais bon. Je sais, c'est... Ouais, c'est vulgaire, mais bon. Ça doit être aussi du Zelda. J'ai un doute. Tiens, il y a un cheval là-bas. Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tiens, celui-là, il est inachevé.
Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, mais bon. Voilà. Bon, ben, donc, je vous laisserai, ben, si vous avez besoin de Slim, venir ici. Si vous avez besoin de démo, si vous avez envie de faire chier les villageois, pareil. Bon, voilà. Allez, on va retourner donc à ce qui était prévu pour cet épisode, à savoir faire des pistons collants, parce que comment, en attendant, bah ça avance pas cette histoire. Et donc voilà. Donc et ben c'est parti, un petit accéléré, je vous construis ça, il y en a pour 2 minutes et après je pense que ce sera la fin de l'épisode. Donc à tout à. Donc on se retrouvera certainement à l'épisode suivant après cet accéléré. Ou pour un test rapide du système. Allez! Donc comment j'ai fait un test un peu foireux. Donc j'ai pas réussi à faire plus compact que ça. Je suis sûr qu'il y a plus compact que ça. Il me semble qu'Aipierre avait fait un truc plus compact. Attendez, je remets mon pack parce que je préfère. Et le jeu a craché en remettant le test sur pack, j'y crois pas. Ah c'est bon, excusez-moi. Donc je sais pas si on m'a entendu. Donc le jeu a eu un léger freeze en attendant de remettre le test sur pack. Oh lolo, wow. Ouais, c'est magnifique. Ah c'est génial. Ah waouh, alors là...